Ce matin, c'est une action qui s'inscrit à travers le projet global de la sécurité routière au sein du lycée Jules Verne. Une action qui est en partenariat avec l'école primaire concernant nos élèves de 3e. Dans un système du tutorat, ils expliquent les dangers de la sécurité routière, à la fois en tant que piétons, cyclistes et futurs conducteurs. Comme ça, nos élèves s'aperçoivent qu'il n'est pas évident pour les petits de visionner en fait tous les dangers qui peuvent se passer à travers les rues. Donc, Avec les parents? tout à fait, oui, de toute façon, même de façon, nos élèves qui sont futurs parents, futurs adultes, et les petits vont forcément en parler auprès de leurs parents. Hein, ils vont amener en fait un discours que peut-être comment dire, les adultes d'un certain âge n'ont pas forcément entendu, hein, ce qui permet de les sensibiliser à la fois. Donc on essaye en fait que ça se répande le plus possible. Et on peut remarquer quand même que cette année, par rapport aux années précédentes, qu'il y a de moins en moins de voitures, par exemple, qui sont garées sur les trottoirs. Alors est-ce que ça... Mais il y a quand même eu des poids lourds. Moi, on m'a signalé qu'il Oui, y en a il y en qui avait quand grillaient des même stops, qui grillaient des stops, mais qui étaient mal garés qui étaient encore. mal garés encore malheureusement. Donc ce qui malheureusement, ça veut dire que les piétons vont devoir contourner les voitures et aller sur les routes, sur la route, et donc forcément un danger plus important pour les piétons. Et jeunes piétons encore plus, parce qu'ils n'ont pas encore cette notion en fait, de distance par rapport aux voitures qui arrivent, notion de vitesse.